Salut à tous les amis youtubeurs, c'est Yaku HD et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo en zombie sur Call of Duty Black Ops 2 et sur la carte d'Iris du DLC Révolution. Donc, je vais vous présenter un tutoriel, astuce très pratique et très utile en effet qui vous permettra de vous rendre directement à la salle. Euh, enfin à l'immeuble en bas de l'immeuble où se trouve euh, l'électricité en gros, vous n'aurez pas besoin de passer euh, par le gros ascenseur et la salle du Bouddha, vous aurez un accès direct au courant. Enfin, euh, dans les salles où se trouve le courant aux alentours, bien entendu. Donc euh, pour cela, vous devrez vous rendre tout d'abord sur le toit. Donc moi ce que je vous conseille pour aller plus rapidement et sans passer par le courant, vous faites la technique que j'ai fait dans une vidéo précédente pour aller au MP5 depuis la salle du propulseur, vous faites exactement la même technique. Une fois que vous êtes dans la salle du MP5, vous vous rendez à l'ascenseur, bien évidemment, et vous vous placez exactement comme moi dans la vidéo en regardant le bas, mais en vous mettant dans la position devant l'ascenseur. Et quand vous voyez que vous tombez, vous appuyez plusieurs fois sur A tout en essayant de vous placer euh, vraiment face à l'ascenseur vraiment face à l'échelle quand vous êtes tout en bas et dès que vous mitraillez le bouton A normalement vous allez voir que vous allez monter euh, la petite échelle tout en tombant dans le vide et normalement vous allez rentrer directement dans la salle du Remington ou soit celle qui se trouve au dessus. Donc après vous allez constater que vous êtes toujours vivant ce qui veut dire que vous avez vraiment bien réussi la technique donc je tiens aussi à préciser que cette technique n'est pas réussissable du premier coup il faut quand même tenter plusieurs fois, donc euh, moi j'ai des collègues à moi qui ont essayé euh, plusieurs fois donc moi-même euh, je crois deux trois fois parce que euh, la première fois c'était pas facile. Donc euh, vous avez une chance sur 3 d'y arriver en gros. Et c'est vraiment pratique sinon pour aller au courant. Donc après si vous êtes mort en bas, il suffit qu'un de vos partenaires saute d'en haut et tombe sur vous et si il a rien réussi votre collègue, normalement vous allez constater qu'il est toujours vivant. En fait, ça va l'amortir son choc. Et du coup, il sera toujours vivant et toujours bien en forme en bas. Et si vous êtes mort et qu'il a atterri sur vous, il pourra donc vous réanimer. Et ce qui, faudra, ce qui fera donc une technique vraiment pratique, ce qui vous permettra d'aller directement à la Remington. Ou alors dans la salle avant celle du courant. C'est vraiment très pratique comme astuce et c'est vraiment utile et ça vaut vraiment le coup d'essayer donc j'espère sinon que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas aussi à la commenter et à la faire partager sur les réseaux sociaux tels que facebook et twitter et j'espère vous retrouver très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce portez vous bien et ciao les gens bye bye